Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Frostborne. Déjà, je suis pas tout seul, vous voyez à la base, il y a écrit toi et il y a écrit ensuite Yojimbo. Salut, enchanté. Salut, ma poule. Il est là, incroyable, comment vas-tu? Bah, ça va, écoute. Nickel. Du coup, vous savez que dans la dernière mise à jour, on a eu un espèce de gros nerf des zones PVE, ces deux zones-là, cette zone-là, la forêt d'Ingra. Et que je la retrouve le carrefour rocheux qui à la base était zone PVE, on pouvait pas rencontrer de joueurs, mais dans la dernière mise à jour, maintenant on peut rencontrer des joueurs du coup. Pas mal de gens m'ont demandé comment tu fais pour quand tu débutes le jeu pour les petits joueurs, pour les nouveaux joueurs, parce que bah actuellement bah, Yojimbo et moi on est des petits bambis, on est égarés dans la savane, on cherche notre chemin, on sait pas trop où aller, voilà quoi. T'es level combien d'ailleurs? Je suis toujours level 9, en fait, vraiment, je progresse que quand on tourne nos vidéos. Ah oui, je joue pas... ah oui, je joue pas en off. En ah fait. Mais on va faire que des vidéos alors. Donc ouais, vous voyez, je suis level 20, il est level 9, là on est en totale découverte. Et en fait, j'ai trouvé une nouvelle zone dans le jeu où on peut farmer sans rencontrer d'autres joueurs. D'ailleurs, vous voyez là à l'écran tout le loot que j'ai là dans mon inventaire. Du coup, bah, le bois, la pierre, les minerais de fer, la viande, également l'étoffe. Bon, pas l'épée. L'épée, je vous avoue que je l'ai volé sur un mec que j'ai tué. Mais voilà. Ouais, ça va, oh. il était mort, j'allais pas laisser son stuff comme ça. Et ah non, mais moi je l'ai tué. Ah non, tu l'as tué. Tué, c'est tué, voler, c'est voler. Exactement. Donc, je vais vous montrer cette zone. Je vais d'abord juste passer à la base, histoire de déposer mon stuff rapidement, histoire de voir. Parce qu'en fait, j'ai un peu avancé dans la base, on est en pleine reconstruction de base. Parce que comme vous le savez, on s'est fait raid, on s'est tout fait défoncer. Et du coup, bah, je suis en pleine reconstruction de la base, en train de mettre des murs, des portes partout. Enfin, c'est un gigantesque enfer. C'est là pour l'instant. J'avoue que la base elle ressemble strictement à rien. La base ressemble vraiment à rien, tiens rien. Donc, on va juste déposer le stuff. Ensuite, on va y aller avec Yojimbo. En vrai, prends juste un bâton. T'embête pas. Tu sais quoi, j'ai trouvé sur la dernière vidéo, j'ai trouvé un gourdin. Donc moi après j'ai même pas de tenue, j'ai rien, franchement je suis vraiment le mec à poil. Bah en vrai pour cette zone là tu vas voir les mobs sont pas très très élevés. Du coup prends juste un bâton et rejoins moi. Ah je peux laisser mon gourdin quoi. Ouais prends juste un bâton, t'embête pas. Tu prends un bâton, même pas besoin d'avoir une hache ou une pioche, tu peux les crafter sur place là-bas. C'est plutôt formidable comme zone. Je prends de la vie non quand même, non même pas. Non même non, pas ouais. Parce que à deux les ont les... Je sais pas comment on appelle vraiment ça en fait. C'est pas des zombies. Je pense des mais... squelettes, ouais, des squelettes, ouais. Ouais, on va dire des squelettes. Bah, les squelettes, tu vas voir qu'à deux, ça passe tranquille. J'y suis même allé tout seul, et même tout seul avec un bâton ou quoi, ça passe. Bon, je te laisse me rejoindre. Je vais aller du coup dans cette zone qui est là-haut. Et c'est une zone, vous allez voir, qui est du coup PVE uniquement. Impossible de rencontrer d'autres joueurs. Vraiment, cool. 0% de chance de rencontrer d'autres joueurs. Par contre, il n'y a pas de coffre. C'est le seul désavantage de la zone, c'est qu'en fait, il n'y a pas de coffre. Mais ah. Pour les petits joueurs, pour débuter, pour farmer votre base, parce que je vois pas mal de gens qui. Qu'on aura les cacahuètes du jeu parce que bah, ils sont fait raid et que bah, malheureusement quand vous faites raid on peut tout vous prendre, enfin tout, on peut vous prendre beaucoup de choses, mais en fait je pense que cette zone là vous allez vous en servir beaucoup au début pour farmer, pour récupérer du bois, de la pierre, les minerais de fer, récupérer de la viande, récupérer de quoi vous faire des tenues et ensuite de commencer à faire bah, cette petite zone là verte et cette petite zone là verte histoire de récupérer vos premiers... premiers équipements, premiers coffres, premiers loot et ensuite de vous diriger à la zone PV par la suite et voilà. Bref, je te laisse me rejoindre. Que... Ben je te suis, je regarde où tu pars parce que là je t'avoue que je suis sur la maison, t'es où là? Bah je suis parti, je suis tout en haut, sur la gauche. Et comment c'est que je te vois pas? Ah t'as peut-être pas accès à la zone, alors dirige-toi vers le nord, vers Contrefort des Désespérés. Alors attends. Le nom des lieux s'il te plaît. En haut à droite de la base. En haut à droite De la base qui est sur notre gauche. Alors, on dirait un guide Michelin tout pourri. Alors tu vois juste au-dessus de nous, il y a une espèce de grosse taverne, trésor il y a écrit. J'ai le sanctuaire de tir moi. Non, alors juste au-dessus de nous, tu vois, il y a écrit trésor. Ouais. Et juste au-dessus du trésor, t'as deux zones. Ouais. Ok, dirige-toi vers la zone rouge, contrefort des désespérés. Ok, courir. Le nom des zones, quoi, s'il te plaît. Moi, ça me dit qu'il y a du monde, un mec là-bas. Oui, non, mais cours, tu verras, tu vas débloquer une autre zone sur la gauche. Aïe. Et tu vas voir que je suis dans la zone qui est juste sur la gauche. Normalement. Donc, qui s'appelle du coup l'entrée secrète du Helheim. C'est un peu un jeu de gothique en fait. Clairement un peu un jeu de gothique. Entrée secrète du Helheim, ok. Ah mais t'es sur le cercle rouge là en fait. Ok. Mais t'es toujours à la base toi? Non là je suis en train... Bah moi en fait je te vois toujours à la base aussi, c'est bizarre. En fait je vois écrit Benichou sur le truc. Ah ouais là, coup, je te vois toujours à la base? Ouais. Bah moi aussi. Bah écoute je suis à entrée secrète du Helheim, t'y es aussi?
Ouais, je viens d'y être là. Bah, vas-y, rentre. Peut-être que c'est une zone où on peut y aller que solo. Si, tu peux y aller à plusieurs. Non, c'est juste un bug visuel du jeu. Donc voilà. On a enfin réussi à rentrer dedans après moult péripéties. Bon, bah du coup, zone classique, il y a des zombies à tuer, enfin des espèces de squelettes. Mais vous voyez l'écran, c'est des squelettes qui ont 40 PV. Bon, je suis joué avec l'épée, je suis un guignol. Tu fais pas de sneak. Ben si, c'est qu'en fait il m'a ah, il t'a repéré. Il m'a vu avant. Ah mince. Donc ouais, c'est une petite zone où vous allez pouvoir farmer les minerais de base. Le seul truc auquel il faut faire attention, Yojimbo, il va falloir que tu fasses attention. C'est ici, en plein milieu de la zone. Alors viens avec moi. Ouais. Je suis juste au-dessus de toi. C'est le seul endroit où faut pas aller parce que vous voyez émissaire d'elle qui a 5000 PV, mais ah oui. Tant que vous le touchez pas, touche surtout pas parce que sinon on meurt. Tant que vous le touchez pas, tu peux y aller. Oh. Tu peux pas y aller debout. Fuyons. Non, il m'a mis que 15. Ah oh, vas-y, je vais prendre une tatane. Regarde-moi. Non, prends pas ta tatane. Non. Va falloir que tu te barres de l'autre côté de la zone maintenant. Faut que t'ailles au nord. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 secondes de délai pour partir de la zone. Ouais, mais mec, j'ai des chaussures de qualité. J'ai des Nike. Ouais, je suis sorti. Dis-moi quand t'es rentré. Oh, quel enfer. Normalement, il me semblait que le boss nous attaquait pas tant qu'on le touchait pas. Visiblement, le boss peut t'attaquer même si tu ne le touches pas. T'es sorti? Ouais. Vas-y, on rentre. On va essayer de s'approcher de lui. Du coup, on va faire notre petit farm tranquillou. Donc là voilà, on est rentré dans la zone et là vous pouvez simplement vous mettre à farmer, récupérer, comme vous voyez il y a du bois par terre, il y a de la pierre par terre, du coup vous pouvez venir à poil, prenez juste un bâton histoire de tuer les mobs. D'ailleurs il y a pas mal de mobs qui sont impactés là-haut mais il n'y a pas trop de minerais à côté d'eux, par contre il y a du fer. Je veux bien passer récupérer le fer moi, s'il vous plaît, merci. Donc voilà, c'est cette zone là qui je pense va aider les nouveaux joueurs et ceux qui veulent farmer tranquillement des ressources, on va dire un peu de base. Histoire de faire votre base en fait, tout simplement. Wow. Ah oui, d'accord, ok. Toi, tu prends l'aggro sur 15 zombies à la fois. Ah, mais tu peux venir me sauver en fait, t'as vu? Ouais, mais par contre, faut pas que je meure derrière. Aïe, aïe. T'es où? Ah, t'es là. Non, c'est qu'il y avait un archer, je l'avais pas tilté. Oh, okay. Pire, je vais mourir vite. Tu me sauves? Oh, énorme! Et c'est pas mal ce système. Hein, alors, ouais, je te sauve, mais le truc avait l'air de bugger. Ouais, attends, parce qu'il y a il y a de la corde à récupérer. Attends, je vais te soigner, bouge pas. Ouais, j'ai pas mon sort de heal d'ailleurs. Équipé, yes. Ah bah attends, je vais trop soigner. Attends. Là, je suis à la moitié du sort. Vas-y, t'inquiète. Bah attends, je vais choper l'arbre. Choper l'arbre en attendant. Donc voilà, clairement, ça va être la zone que je pense qu'on va farmer histoire de débuter notre base. Vas-y, bouge pas, je te soigne. Gros soin. C'est parti à côté. Ah putain. Oh, c'est parti à côté, purée, j'ai cliqué en automatique, je pensais non, que ça allait. Je pense qu'il y a un. Quand je me mets en sneak et que je veux choper le truc. Ah, j'ai plus de pioche. Ah, j'ai pas de pierre, il faut que je trouve un caillou par terre. Tristesse. Mais ouais, et en plus de ça, je trouve que la zone est quand même assez sympa parce qu'il n'y a pas trop de squelettes, on va dire. C'est en général des petits squelettes. Bon, là, on n'a pas eu de bol. Yojimbo était sur un truc où il y avait 4 squelettes, c'est juste pas de bol. Mais ouais. Sinon, vous voyez qu'ils en ont là, 40, lui, il avait 40 HP. On va aller voir l'autre à côté. Mais en général, c'est des petits zombies. Ça vous permet de fortifier un peu votre base, on va dire, dès le début. Enfin, de la construire et vous la fortifiez après. Mais je pense que et c'est. Attends, la zone n'est même pas taxable en plus ici, t'as vu? Ah ouais, en plus de ça, ouais. En plus de ça, du coup voilà. Et également, ce que vous pouvez faire, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a des loups dans la zone. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a genre 2 par zone. Donc va falloir un peu la farmer. Mais ça vous permet de récupérer déjà de la corde, de récupérer de la peau, de récupérer de quoi faire vos premières tenues. Et notamment, vous faire de la bouffe pour aller faire du coup les premières zones PVP. Histoire d'avoir du heal sans avoir besoin d'avoir des bandages ou autre, ou de fantasy. Là, vous pouvez directement vous faire de quoi vous soigner assez facilement, juste en récupérant de la bouffe, en tuant les petits animaux, les petites bestioles qui traînent et voilà. Mais voilà, après le truc c'est vrai que le sac à dos se remplit assez rapidement, donc là on est à 2, donc je pense que normalement à 2 on peut tout prendre dans la zone, tout ramener chez nous. Enfin, juste pas falloir se mettre en automatique, bah voilà il y a un deuxième loup d'ailleurs, il y a un deuxième loup. Va pas falloir se mettre en automatique parce que si on tombe sur le boss, ça risque de faire mal encore. Bah en fait tu peux te mettre en auto mais faut quand même que tu gardes un œil dessus. Je pense que ça si tu veux vraiment farmer en mode tranquille et faire autre chose un peu à côté, tu restes en auto, tu check vraiment de temps en temps. Ouais. Et je pense que tu peux être assez large quoi.
Ah, il y a plusieurs zombies à côté de moi. C'est tellement ça qu'ils auraient dû faire, mec, pour le Big One sur l'ASD. Genre une zone comme ça avec le Big One en plein milieu. Ouais. Et tu vas avec tes potes, tu vas le défoncer. Hop. Yes, j'ai presque plus d'HP. Nickel. Par contre, le seul problème de la zone, c'est que d'habitude, dans les zones, tu sais, il y a des baies. Et là, il n'y en a pas du tout. Ah. Et là, il n'y en a pas du tout. Du coup, pour vous soigner automatiquement, enfin, pour vous soigner sur place comme ça, prenez le sort de soin. Je vous conseille de ne pas y aller tout seul, même si en vrai, la zone est farmable tout seul. Parce que l'autre fois, je l'avais fait tout seul. Comme je vous l'ai montré, le stuff que j'ai ramené, c'est un truc que j'avais farmé tout seul dans mon coin. Donc en vrai, vous pouvez faire la zone tout seul. Y a pas... C'est pas trop, trop gênant. Et ensuite, bah, vous pouvez du coup bah, vous amuser. Commencer votre base, sachant qu'en vrai la map, je trouve que la map de la base est vraiment grande. Ouais. Je sais pas si c'est une impression parce que pour l'instant il y a rien, mais je trouve que comparé à Last Day, la map est quand même vachement plus grande que la base. Ouais, voilà. Il y a peut-être parce que le fait qu'il y a, il y a rien aussi. Ouais. Il y a des chances. Bon là ça fait deux fois de suite que j'ai de la corde, mais en général vous avez du tissu, comme vous avez vu j'en avais tout à l'heure. Pareil, le tissu ça va vous servir à faire votre première tenue, ça va vous servir à XP, à avoir vos premières compétences. Bah, il y a encore un minerai de fer d'ailleurs, ça c'est plutôt cool. Je tombe sur un archer, on le one shot. Donc voilà, normalement ça passe avec un bâton. Là j'ai fait le kéké, j'ai une épée. Mais vous y allez à deux avec un bâton, vous avancez ensemble. Parce que là on est parti un peu dans notre coin. Mais vous avancez ensemble, ça passe tranquillou. On a re un minerai de fer, d'ailleurs il y en a un autre sur notre gauche. Donc on va pouvoir se mettre bien. Bah moi en fait en bas je farm tout le bas là. Donc en mode auto, donc autant dire que là en bois et tout je me mets plutôt bien. Bien bien bien. Donc ouais voilà, vous avez tout de quoi faire en vrai. Vous avez de quoi vous... d'avoir, j'allais dire vos premières armes. Mes premières armes, l'arc. Vous n'avez pas de quoi faire l'arc parce que l'arc il vous faut de la résine et la résine vous pouvez pas en choper ici. Mais vous avez de quoi crafter bah, bouclier épée parce qu'en fait les attaches en os vous pouvez récupérer tous les jours en bouffant ceci, le jarret. Donc vous avez quoi vous crafter vos premières armes en vrai, pour de vrai. For real. Alors attends, t'es où toi? T'es là? Bouge pas, je te soigne. Bouge surtout pas. Mais je suis déjà full. Ah t'es déjà full vie? Ah bah c'est cadeau. Mais bouge pas, bouge pas. Vas-y, bouge je bouge pas. Double heal. Double heal, nickel, merci. Alors attends, par contre viens avec moi parce qu'il y a pas mal de zombies, enfin de squelettes là-haut. J'arrive. Et tu viens de me dire ça alors qu'on vient de se soigner maintenant. Ouais grave, j'aurais dit te heal après. Vas-y passe au nord comme moi, fais gaffe à pas aller vers le boss hein, parce qu'il a l'air énervé. On t'en fait chacun. Vas-y chacun je pense. Oh d'accord, ok. Mais comment chiant, tu hein. fais à chaque fois? Mais non, mais je sais pas. Non mais mec, je pense qu'il y a un souci avec le truc hein. Je pense, je pense t'es peut-être pas accroupi sur le bon pied. Tu vois, chance ça vient là le problème, c'est pas le bon pied. Bon et du coup là on a nettoyé la zone, on a récupéré du coup 5 ou 6 loups. Ça paraît naze parce que je sais qu'il y a des gros gros joueurs, je le vois sur mon Discord. On a fait un salon spécial Frostborn et tout sur mon Discord où il y a pas mal de gens qui viennent pour parler du jeu. Il y a déjà des mecs qui sont level 70 ou autres, qui ont mass tryhard et qui du coup sont full équipés. Mais comme nous on débute sur le jeu et qu'on a pas, on tryhard pas trop trop spécialement. Et on peut minerer le même minerai. Ouais c'est énorme ça par contre. Attends, t'as eu les 3 cailloux aussi? Je sais pas, alors attends. Au pire, fais le minerai avec moi, t'es prêt? Attends. Vas-y, let's moi, go. Moi je suis, attends, je suis à combien? Je suis à 10. Attends, t'as pas ramassé le loup? Oui, il me manquait, non si c'est le loup. Ah vas-y, une bouteille vide, ok. T'es prêt? Vas-y, 3, 2. Vas-y, laisse tomber. Alors? J'ai rien eu mais quand j'étais en automatique j'ai eu un truc. Attends, mets-toi sur l'arbre là. Vas-y. Automatique. Ah attends. Ouais. J'ai pas crafté la hachette. Bah attends, on va faire le minerai en auto. Vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1, auto. J'ai rien eu. T'as eu? J'ai rien eu. Ouais, okay. En fait, c'est le dernier qui met le coup quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Ok. Donc le système est plutôt intelligent, t'as pas moyen de. Parce qu'en fait, sinon on aurait fait toute la zone à deux. Bah, sinon, t'imagines, on ouvrirait des coffres en même temps et tout. Donc... Ouais, après pour les coffres, ouais. Ça aurait été un peu abusé. Va falloir que je mange également. D'ailleurs, ouais, en vrai, pensez bien à tous les jours à ramasser notamment le jarret parce que je pense que les os peuvent vous servir pour faire bah, le bouclier et l'épée qui est une arme de base assez sympathique et qui permet quand même un peu d'avancer dans le jeu. D'ailleurs, je vais faire ça et ça histoire d'économiser de l'espace. La bouteille vide, je vais lâcher. Dans le sac, là, je suis déjà à 60 bûches de pain, 20 calcaires. Enfin, ouais, ça va quand même relativement. Ouais, donc c'est clairement, je pense, la zone où vous allez aller pour débuter, pour vous faire votre première base, commencer à monter des murs, commencer à avoir un peu de, on va dire, de stuff sans avoir vraiment de stuff, mais le stuff de base, juste vous faire une arme, une tenue, et ensuite vous allez avec 2-3 potes former les zones. Le boss, il commence à bouger, hein, fais gaffe. Je crois que le boss a bougé. Voir, j'ai rêvé. Mais j'ai cru voir le boss bouger. Donc voilà, maintenant on a clean la zone.
En vrai, vous pouvez la faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de tout clean la zone parce que de toute manière, il y a tellement d'arbres, de cailloux, de minerais de base que votre inventaire va être rapidement plein. Et voilà. Bref, YouTube, on va se laisser là-dessus. Nous, on va aller farmer la zone, le reste de la zone tranquillou, pépère dans notre coin. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci, Jimbo, d'avoir. D'avoir participé. Bah non, mais c'était cool, merci de m'avoir fait découvrir cette zone. Je pense que, ouais, tu vois, si vraiment il fait pas trop beau et tout, je pense que je vais tryhard un peu cette zone. Ouais, donc, tu vois, je pense que c'est une zone, tu peux t'y caler parce que, comme le. Oh bah, j'ai level up, nickel. Comme le. Comment dire. L'énergie dans le jeu, c'est pas comme la Zay, c'est assez généreux pour le coup là. C'est un d'énergie toutes les minutes. Bah, vous avez moyen de vous poser 2-3 heures, vous faites votre base en entière. Même pas 2-3 heures en fait, tu te poses juste une heure et je pense que t'as moyen de faire ta base en entière et voilà. YouTube, je vous abandonne du coup quand même, parce que sinon la vidéo on va pas farmer toute la zone ensemble. Hein. Ça va être un peu long et répétitif. Je suis sûr que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, la prochaine vidéo avec Yojimbo sur sa chaîne où on ira, vous allez voir, je vous spoil pas, allez voir sur sa chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.